Bonjour YouTube, comment ça va? Nouvelle vidéo aujourd'hui, les gars, ça y est, ce matin, enfin en tout cas pour ceux qui ont vu la vidéo Invocation qui est sortie hier, parce que je la posterai le lendemain matin, enfin bref, t'as vu comment ça s'est passé? Donc là maintenant, hein, ça, j'ai l'impression que c'est ma 50e vidéo Invocation Revanche sur des portails dans Dokkan Battle, mais c'est pas grave, on a l'habitude, écoute, on prend, hein, comme ça vient, mais je rappelle, on a encore des soldes, hein, on a deux cycles, ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, pour dropper la meilleure carte du jeu qui revient en mars. Et en plus, on pourra invoquer avec des tickets gratuits la semaine prochaine. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, s'il tombe pas là maintenant, c'est pas totalement fini. Tu pourras encore espérer les drops, même si ça va être encore plus compliqué que maintenant, la semaine prochaine, avec les missions où tu pourras récupérer des tickets. Mais là, pour l'instant, on se focus sur ça. On est sur Twitch. Le chat est juste en dessous, il dit bonjour. Bonjour. Et ils m'ont mis une prédiction à 66% de chance que je vais drop durant les deux cycles, un des deux cycles d'invocation, Vegeta Trunks, et je sais que le chat, il a toujours raison. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. Vegeta Trunks, écoute, c'est le moment. Des failles de rosée, ça fait un bail que j'en ai pas eu sur la globale. Donc c'est le moment de tomber, frérot. C'est le moment. Donc let's go. Ok. Alors, il y a des rumeurs qui disent que, apparemment, quand Beerus est avec un seul perso, ça garantit des trucs, tu vois. Genre, ça garantit l'animation Whis. Moi, Whis, c'est pareil. Ça fait genre au moins 6 mois que je l'ai pas vu, tu vois. Au moins 6 mois. Donc, si tu veux bien tomber maintenant tout de suite, frérot, histoire que... On arrête... Putain, j'ai mis 35 tickets, les gars, ce matin. 35 tickets. Rendez-vous compte. Putain. Non, mais ce troll. Franchement, j'en ai marre. Y en a un qui me regarde chez Bandai, c'est pas possible. Y en a un qui me regarde. Je te jure, tu sais quoi? Il me donne un Vegeta Blue. Hors détecteur, je coupe la vidéo. Pareil, on bat les couilles. Il me donne un Vegeta SSJ Blue. En hors détecteur, je coupe la vidéo, ok? Allez, let's go, deuxième multi! Mais putain, mais c'est quoi ces animations de mes deux? Non, mais j'en ai marre, non, mais sérieux! Ça rend fou, en fait! Ça rend fou! Franchement, s'il y en a un là dans le chat qui se souvient de quand est-ce que j'ai eu une faille de rosée... Alors, j'avoue que des Zeno... C'est tombé, je sais plus sur qui dernièrement. En tout cas, les deux derniers Dokkan Fest, c'était Goku Vegeta Blue. Et Pan, je n'ai pas eu. D'accord. Donc là, maintenant. Hein, si tu veux rattraper les taux de Dokkan Fest, Dokkan Battle. Putain, mais arrête. Il me donne toutes les cartes R qui peuvent switch. Putain, mais c'est insupportable. Bah, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, les gars. Je suis en train de me faire troll. Je suis en train de me faire troll par... on était à deux doigts du cut, hein. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était... J'ai vu la coupe de cheveux, j'ai merde. Ok, mais c'est bon. On est encore là. On était à deux doigts du drame. Ok, bon, je te montre, hein. J'ai contacté Bandai, pour ceux qui savent pas. Ils m'ont dit, écoute, Steph, si vraiment t'es en galère, il y a un cheat. Ok. Tu chatouilles les cheveux de Goku Blue et tu chatouilles les cheveux de Vegeta Blue. Et tu chatouilles le majeur de Trunks. Ça reste entre nous. Non mais par contre, Beerus qui vient à chaque multi pour se foutre de ma gueule. Qui c'est qui a dit Beerus dans le chat tout à l'heure? Il y en a un dans le chat qui m'a dit je sens Beerus là. Ce maraboutage des îles. Hey, Deadman, quand il va tomber, tu vas rien comprendre, mec. Tu vas rien comprendre. Alors, je sais que vous voulez voir un Vegeta Blue, en hors détecteur popé, là, comme ça. Je sais que c'est ce que vous attendez tous. Franchement, donne-moi au moins
Donne-moi au moins, comment il s'appelle, Black Agilité. Au moins ça, tu vois. Mais donne-moi quelque chose, s'il te plaît. Enfin, au bout d'un moment, je vais mettre 300 DS, 35 tickets. Tu veux pas te foutre de ma gueule aussi longtemps Mais putain, mais c'est quoi ces animations? Mais non! Non mais c'est un truc de malade, les gars! Attends, on va gagner du temps. Non, on va gagner du temps. C'est bon, je redémarre le jeu. On va quand même aller checker. Qu'il n'est pas tombé au cas où. Okay. Ça compte continuer. Et c'est la multi gratuite. Okay. Mais ouais, il y avait un truc qui allait pas. Alors je vais checker quand même, On sait jamais, c'est jamais arrivé. Ça, je crois. D'accord, ok, donc il m'a donné un doublon d'un SSR que je ne connais pas. Très bien, donc il n'est pas tombé. Ok, deuxième cycle. Non, je vais pas checker c'est quel Vegeta. Je ne vais pas checker. Ok, c'est bon, on a redémarré le jeu. Tout refonctionne normalement. Le maraboutage, c'est terminé. J'ai relancé la roulette. Elle fusionne, Vegeta. Et j'espère que le gros crâne de Tenchinan. Ok. Blue, s'il te plaît, Blue. Ok. Eh, s'il te plaît. Pas Gohan Goten. En fait, non. Non, même les duo Blue, tout ça, je ne veux pas. S'il te plaît, Vegeta Trunks. J'ai trop souffert. Hein, je voulais tellement avoir le duo Blue Goku Vegeta, je les ai pas eu. J'avais le seum de ouf. Je voulais tellement pont. Je l'ai pas drop. Hey, j'ai dormi sous les ponts pour noyer mon chagrin. Alors envoie Trunks et Vegeta, s'il te plaît. Je pense que c'est... Je le mets dans le top 3 des plus beaux artwork SSR du jeu. Mais on s'en bat les couilles, en fait. Tu vois, on s'en bat les couilles. C'est pas fini, les gars. Ça n'est pas terminé. Allez, vas-y. Oh, putain. Je crois que je l'ai pas 100% elle. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Et eux, c'est bon, je les ai passés 100% ce matin. Enfin, hier pour toi. En tout cas, on a eu un LR. Ok. Faille de rosée. Ça tend sur vous ? Zeno ? Kamehameha long ? Whis ? Ah, j'ai tout tenté, j'en ai marre. Eh les gars, je suis désolé, hein, les 66% de points de chaîne là. Ah, je le sens mal, hein. Et tu vas voir ce qui va se passer. C'est qu'au mois de mars, de toute façon, au mois de mars, je l'achèterai, mais... Au mois de mars, je sens qu'il va tomber 50 fois, le gars. Sauf qu'au mois de mars, vous allez tous vous en battre les couilles, parce qu'entre temps, il y aura l'anniversaire, vous allez dire, ouais, ben c'est bon, j'ai commencé à stack parce que les cartes de l'anniversaire sont trop fortes. Et finalement, au mois de mars, on se sera tous rendu compte hein, que Vegeta Trunks dans Dokkan Battle n'aura jamais servi à rien. Parole d'un mec qui a le seum. Je t'avoue, ouais. Non mais allez, Dokkan, s'il te plaît. S'il te plaît, eh, sors-moi un truc. Donne-moi au moins Kelly Colif. Ah ok, c'est bon. Zeno. Une chance sur 10. Eh, franchement, même si c'est Black Goku Agi, en vrai, je prends. Mais je veux pas Gohan Goten. Arrêtons le troll.
C'est avec ces deux-là que j'ai eu la carte. Bah c'est quoi Mugen? Si c'est eux qui sont là, je te paye un sub. Let's go. Putain, mais il est où? C'est parti. Goten et Trunks. Pour Goten et Trunks. Sachant que, bon, après, en vrai, je les ai pas doublonnés, eux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout aussi, putain. Qu'est-ce qu'on s'en fout de pas les avoir doublonnés. On rendait compte quand même que quand ils sont sortis, on a invoqué sur cette carte, hein. Quand Goten et Trunks sont sortis sur Dokkan Battle, on a invoqué dessus, mec. Bon, et eh ben, c'est la dernière, c'est la last. Pas d'autre chance après. Et sinon, c'est rendez-vous au mois de mars. Allez! Attends, attends, je dis ça, mais en vrai, il y a des invoques la semaine prochaine avec les tickets gratuits. Ok, ok. C'est pas fini, c'est pas fini. Eh, je... eh Bandai, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, attends, attends. Pas de VG, pas de, de Goku Blue. Okay. Non, pas de. Ok, nice. Eh, s'il te plaît. Ah, je veux pas trop SSR. Je ne veux pas trop SSR. Fais pas le con. Fais pas le con. Fais pas le con. Ah, une chance sur 10, en vrai, c'est chaud, hein. Non mais eh, eux aussi, eh, je vais me les faire, ces deux mecs-là, je vais me les faire, c'est... C'est terrible de sortir de là avec 166 DS. Quand même, en vrai. Putain. Mais même en hors détecteur, il m'a donné que de la merde. Il m'a donné que de la merde. Bon, et eh ben, on va dire que c'est vraiment pas terrible. La seule bonne nouvelle, c'est que j'ai eu un doublon en plus sur Makarita, je crois, ou Kawaii, Kawaii, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la seule bonne nouvelle. Bon, après, en vrai, sur la globale, il y a encore des DS à former à gauche, à droite, mais je les mettrai pas sur ce portail. J'ai pas fait le boss rush, j'ai pas fait l'histoire infinie. Donc j'ai encore une soixantaine de DS à peu près à récupérer. Et il y aura donc, comme je dis tout à l'heure, les tickets de la semaine prochaine, on pourra invoquer. Donc, à vérifier, j'ai un doute, on m'a dit tout à l'heure dans le chat que finalement, on peut invoquer que sur le portail de Tanabata, celui avec les 20 cartes, enfin, les 20 Dokkan Fest sur le détecteur. Donc, on fera une vidéo à ce moment-là. Mais en tout cas, là, portail DS, c'est terminé. Au pire, rendez-vous mois de mars. Mais voilà, hein, maintenant, on se focus sur la fin d'année, Step Up, Gohan Beast, DDF, tout ça, tu connais. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Merci en tout cas à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et que t'as pas trop le seum comme moi, bah n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, commentaire et cloche. Tout ça tu connais, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Dokkan Battle. Passe une très bonne soirée. A très bientôt, salut, ciao.